Salut à tous, c'est Go. Aujourd'hui on se retrouve dans cette position parce qu'on va faire du PVP. Donc je vais sûrement me faire défoncer, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, déjà on va augmenter de niveau, c'est pour ça que je vous chope ici. Dans ce beau liche-feu. Vita à 35. Qu'est-ce que je peux mettre? Je suis niveau 95. Je sais pas jusqu'où ils vont les gens en PVP dans celui-là. Dans le premier c'était 120 je crois. Le bon niveau pour le PVP. Celui-là je sais pas combien c'est. Peut-être augmenter la dextérité. Allez. Au pif. On se fait ça comme ça. On est parti. On va se faire ça ici. Alors, ici. Il y en a encore plus que la première fois où je suis venu, quoi. Sérieux. Alors ici, c'est des gens, ils savent ce qu'ils font. Mais regardez, lui, il est dans le Covenant solaire et en même temps, il envahit des gens. C'est bizarre, ça. Pfff, tête poule. Oh non, il est parti. Oh non. Bon, j'arrive pas à me faire invoquer, alors je vais invoquer quelqu'un. On se couvre les yeux et on invoque. J'aime pas savoir qui c'est que j'invoque, voilà. Vous avez vu, mais moi... Je sais pas, on va voir le carnage. Je vais me faire défoncer. Ce sera les débuts douloureux. Ah, il a une pièce de l'armure de... Ah, je suis tombé dedans, je suis dead. Il a l'anneau, je suis dead. Putain, les paris. Il m'a défoncé, les paris là. Dès que t'as un jeu un peu trop. Comment dire, lisible quoi, c'est mort. Et moi, comme je suis un casu, ben c'est mort de base. Ah mon dieu. Du coup, ça me donne envie d'en invoquer un autre et de recommencer le pattern. Eux, ça leur fait des trucs, hein, je veux dire. J'ai invoqué un au pif là, allez. Allez, j'arrête pas de spammer là. C'est bon? Merci. Peut-être pas en invoquer deux. On est parti, Roy. Ok, Roy, il déconne pas. Il m'a touché. Ah, ouh. Bon, on est à peu près armes égales, j'ai l'impression. Non, je croyais que ça allait marcher. Non, bah du coup j'ai payé le prix tellement vite. Il a mis longtemps à chercher l'emote. Il est gentil. J'ai essayé en fait de rouler après, de faire un pas en arrière pour que son attaque passe à travers mon pas en arrière, mais ça n'a pas marché du tout. Fort de mes victoires, j'ai envie de continuer un peu plus. Bon, il a pas de bouclier, pompe pari déjà, ça va être un duel. Il fait peur, il est tellement stylé par contre, c'est ouf. Ok. C'est vrai qu'on a ça comme attaque. Ouh. Ouais. Je sais pas pourquoi il a sorti des griffes, je me suis dit, mais c'est pour Paris ou... En fait, les trucs comme ça, ça peut parier. J'ai fait le backstab sans faire esprit. Oh, il aurait pu me parier. En fait, j'ai failli le backstab sans faire esprit, alors que ça, c'est moche, quoi. Ça s'appelle le backstab phishing, c'est quand on... Bah, on cherche juste à faire un backstab, quoi, c'est pas très... Pas très bien vu. Est-ce que j'ai gagné? Non. J'ai rien gagné. Je... Ok.
Première fois que je me fais invoquer à partir de mon signe, je crois, dans un monde. Aïe aïe. Je vais me buffer avant de chialer. C'est ma règle. J'ai failli tomber dans le vide déjà, ça aurait été superbe. Ah. Mister Mystique, c'est pas dans... je suis plus sûr. Rick and Morty, peut-être. Ouh, il prend des dégâts parce qu'il est en slip. Il a une calvitie. Assez prononcée. Bon, bah Mister Mystique, désolé. Il avait un stuff original, Mister Mystique. Il est gentil, parce que là, du coup, ça permet de faire une langue pâle. C'est plus chiant, hein, de... d'être la personne qui invoque, j'ai l'impression, maintenant. Parce que tout à l'heure, je l'ai fait, j'ai gagné, et j'ai pas eu ma braise, et j'ai rien eu du serment. Alors que là, je me suis invoqué, et j'ai eu, comment dire, j'ai eu un bonus de serment, quoi, la langue pâle de Rosaria. Ce qui me permet d'augmenter le niveau dans le serment. Donc, il est gentil, Mister Mystique. Hello. Putain, mais je suis à des endroits improbables. Los Sao. Ah, il est là. Putain, il va me défoncer, lui. Il a un katana long, je crois. Il fait la taille du Big Ben. Ah non, c'est pas un... Ok, oui. Bon, ça, c'est un katana. Regardez, hop, je le porte à une main pendant que je salue. C'est un gardien des peintures, cela dit. Je croyais qu'il y avait une pari, quoi. Oh, ok, ok, je croyais qu'il allait me faire plus de dégâts que ça avec cette arme. À demain, ça c'est bon pour moi. Ouh, non, c'est pas bon du tout. Ok, il peut me taper deux fois quand il me touche. Voilà, en gros, s'il me touche, je suis mort. Hein. De manière, donc lol. Moi que je me soigne comme une pute, mais bon. Je suis mort. J'ai de la chance. Seul stun. Je suis vraiment. Je fais de la guérilla, quoi. Oula. Mal jugé à la distance. En fait, il sort la cesse, mais c'est juste de la dissuasion ou quoi? Parce que. GG. GG à lui. Moi, quand je vois une cesse, en fait, ça me fait super peur. Je me dis, il va essayer de me parier, du coup, je cours vers lui sans taper, parce que si je tape, je me fais parier. Sauf que lui. Ça me fait juste venir et je tape pas et du coup il me fracasse quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Tout ça c'est de la stratégie un peu difficile à comprendre peut-être pour vous. Hello. Ah il a vu que j'étais buff. Oh il a les deux lances là. Pourquoi ça m'a pas touché ça? J'ai rien fait de... Ah. Ah putain mais ça marche jamais hein, ce pas de côté. Ça marchait mieux sur le 2 ça, ou alors j'ai plus le timing du tout. Et c'est pas con ça. Courir à côté parce que j'ai un espèce d'angle mort avec cette épée. Oh ok, je peux pas passer par-dessus son truc. Ouh, il est à la truc du désespoir là. Eh putain, quand ils sortent ça, je sais pas quoi faire moi. Ouais. Dead, tu dois dead. S'il te plaît quoi. Ouh. Je vais quand même me mettre à terre parce que là. Il m'a défoncé quoi. Il y a une espèce de retournement de situation à la fin, je voulais en finir. Et j'arrivais pas quoi, ça me frustrait. Trion, il est... Il est là, Trion, il est génial.
Ok, il est chaud. Putain, il est en cosplay. C'est génial ce cosplay. Ça doit pas être facile. Oh, en plus à jouer. Sauf si je fonce dedans. Ouais, c'est compliqué là. Il est fat troll et tout. Je sais pas si on peut ne pas fat troll avec ça, hein, sérieux. Elle est tellement lourde l'armure d'Onion Bro, quoi. C'est pas une. Hein, c'est pas pour l'offenser ou quoi, mais. Ouais, je suis con. Il a voulu me faire un coup avec son bouclier, c'est un ouf. Vache! Ça fait mal en fait, ça. Ouh, un truc original que j'avais pas remarqué avant. Ouais, c'est con ce que j'ai fait. Je vais pas faire comme tout à l'heure. Hein. Dès qu'il commence à jouer un peu careful et moi je saute dedans. Ah merde, GG. Merde, pourquoi je dis merde, j'ai gagné. Je sais pas, c'est Onion Bro quoi. C'est comme si je le tuais. Je me prosterne à nouveau parce que bon, ça reste Onion Bro. Oui, j'ai remarqué un truc que je vais essayer de vous montrer après là. En fait, ce que j'ai vu, je repose mon signe avant, si j'arrive, c'est que, vous voyez, je commence par ça normalement, quand je fais le L1, et si je fais une attaque normale avant et qu'après je le fais, vous voyez, ça passe directement à ma deuxième attaque de L1. Donc en fait, on peut faire des combos comme ça. Si je fais ça, non, ça marche pas. Si je fais ça, non, ok, ça marche pas avec les gros coups, mais on peut alterner entre le L1 et le R1, c'est pas mal. Ok. Il m'a fait un peu peur. Ah, la magie. Oh merde. Ouf. Ah, j'essaie de le choper. C'est vrai que c'est chiant la roulade invisible. Wow, 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 c'est un sort ça? Il est dead. Ah, il est pas encore dead. En même temps, il joue la magie donc c'est chaud quoi. Surtout que je suis buff comme un bâtard. Y'a combien de sorts? Cela dit, des comme ça, ils sont tellement petits qu'il doit en avoir pas mal. Ah, il sort une autre arme. Merde, ah, il a repris de la magie. Ah mais oui, les sorts, est-ce que ça fonctionne encore par nombre de sorts ou par... Non, je crois que c'est l'utilisation de magie. Ah, il est dead. Je vais quand même lui dire ça. C'est pas facile hein, de jouer la magie. Là, il s'est vraiment impliqué là-dedans, mais c'est compliqué. J'ai cette impression, je sais pas si elle est vraie, et je trouve ça dommage que dans ces jeux-là, c'est soit un sort qui est totalement OP, et donc quand on joue magie, on joue avec ce sort, et on joue ça, quoi. Genre je pense à Climax sur Dark Souls 2 qui était un sort en gros qui utilisait je crois 20 000 âmes. Donc ça vous prenait des âmes mais ça... Quand il est sorti le jeu ça, c'était des gros one shot donc les mecs se mettaient en statue ou quoi, ils se cachaient dans l'environnement et quand le mec passait à côté il lui lançait ça et le gars était one shot quoi, il se prenait 3 000 de dégâts. Et il y avait d'autres sorts comme ça, comme ça vous tutoyez ça va pas aller. Il y avait d'autres sorts comme ça et c'était dommage. Je veux dire c'était pas comme lui un jeu de... comment dire... de maîtrise de différents sorts en fait, c'est soit tu spammais un gros sort de porc, soit tu jouais pas magie quoi, ou alors tu jouais des buffs ou des trucs comme ça. D'accord, il y en a beaucoup.
Oh, j'ai réussi à l'esquiver alors que sur le boss j'ai jamais réussi quoi. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup à avoir cette arme, ouais. Ah, il s'est planté, il a fait un coup de pied sans faire exprès. J'aurais dû la prendre, hein. Moi j'ai pris autre chose, je crois. J'ai pris le truc des tempêtes là, je suis complètement con. Elle est beaucoup plus vite classe, elle. GG. Il est parti. Ah, mais oui, il est en cosplay Sif, lui. C'est clair. Il veut me parier. Putain, ça me fait trop peur, moi, les gens qui ont des trucs pour parier comme ça. Ouh, pourtant elle était lisible cette attaque, j'ai eu très peur. Oh, les dégâts. Je prends cher. En même temps, moi je fais pas des grosses attaques contrairement les. Ouh, il a fait me parier, faut que je fasse gaffe. D'accord, qu'on a tous fait de la merde. C'est chaud. Ah, il a sorti le bouclier, non. Il a vu que je sortais pas, peut-être il s'est dit non, je vais le ranger. Oh, c'était chaud. C'était un beau duel, ça. Je vais pas applaudir si. Je sais pas si c'est condescendant ça, j'espère pas parce qu'on me l'a fait plusieurs fois quand même quand on m'a démonté. Tant que les combats ne deviennent pas trop techniques, je pense que j'ai un bon build. Hein. Franchement, j'ai fait des bons dégâts. J'ai jamais de problème d'endurance ou quoi, c'est juste que je peux pas parier parce que déjà je sais pas faire. Et puis en plus, si je le fais, j'ai même pas l'anneau qui m'en fait profiter réellement, donc c'est dangereux. Allez, on est parti dev. Putain, t'as un gros sac dev. Ah, t'as le bouclier de. Oh! Oh! C'est vrai que ça peut parier ça. Ok, on n'arrive pas à se toucher, c'est génial. Ouais. Je me fais plus avoir aussi facilement maintenant parce que j'ai eu tellement d'expériences traumatisantes. Je pense qu'il faut les subir, hein, ces expériences-là. Ouais, je fais beaucoup de dégâts en fait. Hein. Une question aussi, est-ce qu'il y a des arènes encore? Dans le 2, moi il y a un truc que je trouvais sympa, c'était les arènes de PVP. Ce serait bien qu'il y ait ça. Il est où Gilbert? Je crois qu'il m'a bien niqué, je l'ai pas vu, je regardais sur la vidéo où il était. Ok. Ouh. Ah, oh, j'avais plus d'endurance. Du coup j'étais comme un con à le regarder. Ouais, j'ai trop peur des paris pour me. Je me laisser piéger par ton truc. Oh, il a failli m'avoir. S'il me choque, je sens que je vais douiller par contre. Ah, j'ai Gilbert. Ok, la technique de la taillade. What? C'est trop bien ces esquives, c'est un anneau? Ah, mais il me fait. Ah, voilà! Je me dis aussi, c'est bizarre. Putain, tu vas crever un jour. Enfoiré! Sneaky! C'est génial son build, j'adore. J'avais plus d'endurance. Non, putain. Ah, GG. Franchement, j'adore ton build. J'adore le concept. Après, moi, j'ai l'impression que je suis pas trop mal OP. Enfin, je sais pas en fait si OP.
Je sais pas. Peut-être qu'il voit marqué Billy quand il voit un signe d'invocation ou la Go Edge, je sais pas, il se dit c'est un gros casu. Donc on va l'invoquer, c'est pour ça que je trouve assez vite des combats. C'est parti, Zmilov. Oh holy shit, c'est quoi cette arme là? Ah, c'est ça qu'il faut faire quand on est pris dans un combo, il faut. Oh, mais je lui fais trop de dégâts, c'est un scandale, non? Il a une bonne armure et tout. Sium pari. Putain, j'ai une bonne distance. Oh! Il me fait pas de dégâts, le pauvre. C'est bizarre. On est à 10 langues pâles. Allez, une dernière, parce que c'est bien parce que c'est cool. Ou alors, non, attendez, j'ai 10 langues pâles, je vais aller directement à Rosaria, les amener. Hello, tu vas être fier de moi, maman. Regarde. Allez, je t'en offre 5. Un autre brume. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Yes! Tu gagnais un rang. Je vais les garder, ça sert à rien. De toute manière, j'avais pas assez pour augmenter encore. Je pense qu'il en faut combien? Il faut qu'on arrive à 20, c'est ça? Là, on est arrivé à 10 dans le serment. Au niveau des offrandes, je veux dire, le nombre. Il y a une autre brume. On rappelle de sa tronche, il est où il est là. Ah, transporteur quasiment invisible à distance. Quasiment, moi, j'ai jamais vu le mec. Un euro mis au phalange de Rosaria, un groupe d'indésirables, le rachage de langue. Putain, c'est dégueu. Ah! Par son premier nez? D'accord. Qu'elle veut récupérer sa langue et son fils. C'est dégueu. Bon, je vais pas le mettre parce que moi je m'en fous d'être invisible, mais. Lol. Esprit sombre. Il est où le vrai mec alors? J'avais même pas vu hein, le vrai, c'est dire son talent quoi. Putain, j'ai pas réussi à faire mon pas, même s'il marche jamais. C'était mal joué de ma part, je reconnais. C'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce qu'il a fait là comme ça. Oh là, il a activé son. Je sais pas ce que c'était. Peut-être pour activer la Moonlight. Ça, j'aime bien, c'est le genre de truc qui m'avait manqué sur. Bah, pour l'instant, sur celui-là. Les arènes, quoi. C'est-à-dire, il y a un autre comme ça qui invoque. Des gens tour à tour pour qu'ils se combattent, c'est pas mal. C'est sympa. Esprit sombre fou. Ah, mais il a invoqué un mec. Bon, tant pis. Oh putain, j'ai cru qu'il allait me toucher à cette distance. Bon, cette épée là, elle tape loin, j'ai l'impression. Je fais beaucoup de dégâts, hein. C'est ça le truc. Ah, je suis con. Je croyais qu'il allait avancer. Ah, à chaque fois. Ah merde. Oh le con, il veut me finir avec un couteau. Ah merde, il est parti putain de vite, oh. C'était tendu. C'est tellement tendu. Il a pas le temps, Rip Ali. Ok. Je prends beaucoup trop de coups en ayant peur de la pari, hein. C'est dingue. Je suis à mid-life déjà. Mais bon. Oh le con, il fait pareil. Putain, ça va vite avec Ali, je vais me faire défoncer en 2 secondes, tiens.
Bon, je voulais le bait, au final, celui qui m'a bait. Bah dis donc, Ali, t'as pas le temps pour moi, hein. Pas le temps de dire bonjour, pas le temps de dire au revoir. Bon, t'as le temps de me défoncer. Hello, oh shit, le fumeur. Alors ça, si je me fais pari, c'est fini. Bon, en général, si je me fais pari, c'est fini, mais là... parti mon brave, enfin on est parti. Ah bon, ok, je voyais pas comme ça moi de mon écran. J'ai de la chance. Ok, tu gagnes ce round, tu as gagné tous les rounds à mon avis d'ailleurs, si je fais pas plus gaffe. C'est assez nasty là ce que tu as essayé de me faire. Mais je connais les moves de Storm parce qu'elle était dans le 2. Oh shit. What up. GG. Ok, donc moi on est un autre jour là. J'ai désormais posté la vidéo 36 je crois. Et on va juste continuer un peu les invasions jusqu'à ce que j'ai 10 langues. Et après on ira les donner et je crois qu'on sera un autre rang dans le serment. J'espère en tout cas. Parce que ça devrait nous en faire 30 je crois en tout dans, dans ce qu'on va donner. Holy shit! C'est une arène, yes! Hello! Hello! Il y a quelqu'un qui squatte juste là, quoi. Mon brave, ouais, j'ai remarqué un petit peu en regardant le montage que je pense que mon build est un peu un build à la con dans le sens où j'ai juste à enfin, je pourrais juste me contenter de faire des gros R1. Ah mais ça marche vraiment plus hein ces espèces. Il me saoule lui. Ah il m'a bien niqué là. Sur la fin. Et l'autre qui me salue. C'est déjà que c'était fini. Sa petite technique d'enfoiré de courir là. GG. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire parce que je suis arrivé, je me suis fait défoncer par lui en même temps que je parlais. Hello! C'est la première fois que j'apparais ici, tiens. Ah, il y a un autre esprit sombre. Est-ce que c'est une arène? Parce qu'on est 1000 à être invoqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a invoqué 100 000 quoi. On peut se taper entre nous, hein, les envahisseurs. Donc attention à ces gens-là, faut s'en méfier. Un petit backstab avec l'arme qu'il a, je pense que. Nameless. On l'a pas déjà vu, j'allais dire hier. C'était pas hier, mais... What? Il fait sa pute, il essaye de le tuer. Moi, je vais regarder les combats. Et on est 50 envahisseurs, quoi. Personne veut aller combattre lui? Moi je vais faire mon combat avec lui parce que les autres ils font n'importe quoi. Mais je sais pas combien là, c'est un truc de fou. Je les entends se battre à côté, ça me perturbe un peu. Ah, je l'ai pas touché. Bon, il est bien joué. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai senti le truc de ouf. Je me suis éloigné, mais oula, ça lague un peu. En même temps, on est 15 sur sa partie à l'autre.
Oula, je suis passé à travers son cou là, c'est vraiment étrange ça. J'essaie de le parier malheureusement. Ça n'a pas fonctionné du tout. Putain, mais ça c'est génial! Qu'est-ce que c'est son épée? J'arrive pas à voir. Oh, je l'ai pas touché. Ah, je savais que j'avais mangé un coup, mais j'espérais pas que ce soit un aussi gros. Devoir accompli. Bon. Dommage, on était en train d'avoir un moment là. Il faudra faire quelque chose avec l'autre. Du coup, je suppose qu'on est 5 à avoir eu une langue pâle. Je sais pas combien j'aimerais. J'aimerais me rappeler combien il y a d'envahisseurs, j'allais dire, mais je vais regarder sur la vidéo en fait. Bah écoutez, une langue pâle bien méritée. Surtout que j'allais sûrement perdre contre l'autre. Et il y a plus de niveaux là ce soir. Je crois que j'ai tourné le week-end l'autre. Et là, en semaine, il y a plus les tryhards. Bon, je vais me buffer. Hein. Je t'ai vu prendre 1000 trucs, là. On va se calmer 3 secondes. Allez, on y va. Ah, je croyais que t'allais me parier que j'allais manger. Oh, le con! Ah bon? Ok. Il faudrait vraiment que... Oh, putain! Ok. Il m'a fait tellement mal, ouais. Je sais pas ce qu'il m'a lancé là. Je sais pas ce qu'il m'a lancé. Mais je savais que c'était fini quoi après. Après ça, s'il gagnait pas, je pense qu'il aura un peu mal pris. Hello. Putain, l'armure d'Artoria c'est vraiment populaire, j'ai l'impression. Elle est belle en même temps, elle est très jolie dans celui-là, je trouve. Et on est parti, il a pris une fleur d'endurance. Ouais, il a mêlé l'armure d'Artoria avec le casque de la danseuse, ça va très bien tout ça. Oh, il a voulu continuer. C'est bizarre que je l'ai... Oh, il veut me placer un petit truc. Sympa. Je sais pas pourquoi il a persévéré, il a dit non. J'ai essayé 3 fois, j'ai essayé 4 fois. Moi je t'en fais beaucoup par contre. Bon après c'est un choix de mon build hein, d'avoir... à tes souhaits. C'est un choix de mon build d'avoir énormément de... Enfin énormément sur la défense en fait. Je sacrifie quand même l'anneau d'Avel. Parce que je pense que tout le monde n'a pas l'anneau d'Avel dans ses 4 anneaux en PVP. Moi je sacrifie un emplacement d'anneau pour mettre l'anneau d'Avel et porter plus d'armure donc bon. C'est un choix de vie quoi. Ah, ça se bat déjà là-bas, je vois des envahisseurs. Oula, mais je vais récolter une langue pâle gratuite là, non? Est-ce que ce sera ça ma 10e langue pâle? Hello! D'accord, donc oui, je vais récolter ma langue pâle si l'autre perd là. Tout ce que je lui souhaite pas, vu qu'on est 1000. Ah, à moins que ce soit. À moins que ce soit lui. Je sais pas lequel est l'autre là. Porte-braise, c'est lui. Lui, c'est invocateur. What? GG. Je vais mettre en squat parce que Steamot est beaucoup trop bien et je l'ai bien trop peu utilisé. Ouh, le retournement de situation là. Il s'est déjà avec les bombes incendiaires, sérieux. Ah, ouf. Et c'est serré là. Sérieux, s'il le tue avec une bombe incendiaire, c'est génial. Vous voyez, il les lance. Ouais. Il les lance sans lock en fait, ces bombes incendiaires, parce qu'il essaye d'avoir. De l'avoir dans sa roulade. Enfin, ou après. Bon, je me buff quand même, mon brave. Tout le monde aime bien courir dans celui-là. Ah, il a une pièce de une partie de l'armure de Kirk parce qu'il m'a touché.
Il m'a touché, enfin il m'a fait des dégâts en brûlant dessus. C'est quoi cette épée qu'il a? Oh. Worse. Putain, accepte ta défaite. Ah ! Oh, il aurait pas dû me toucher là. Putain, c'était tellement chaud le combat avec lui. J'en pouvais plus là, mon cœur il était en train de mourir. On est reparti. J'ai cru qu'il allait me parier. Il veut parier, hein. Ok. Ouais. Oui, oui, bah oui. Je suis mort. Je le sais en plus. Ah, j'ai essayé de le parier en désespoir de cause, ça a pas fonctionné du tout. GG. GG, GG. Et le niveau est pas le même que l'autre fois là. Il faut se battre pour les combats. Bon, du coup, j'ai pas gagné de langue pâle parce qu'il faut tuer l'autre pour la gagner. Ma 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 ma. Puis il m'attend. Ah, c'est encore le même là, non? Qui va me défoncer avec les mêmes sorts. Putain. Pas lui. Ouais, je vois là, c'est le même, non? Ah, il va encore me défoncer. Bon. Ouais, je connais ton petit sort maintenant. Ça va être chaud de le choper lui. Chaud de le choper. Oh, je l'ai pas touché là, sérieux. Nice try. Je le sens pas du tout lui. Ah putain. Il a une bonne portée avec ça en fait. Ah, il va relancer ses petits sorts. Ouh, celle-là elle fait mal. Son armure doit pas être très bonne en... En pari de l'est, enfin en pari, hein. Pour les stocks, ces armures ont différentes résistances selon le type d'attaque. Allez, laisse-moi te tuer s'il te plaît. J'ai besoin de ta langue. Je sais pas ce que c'est exactement. Cette attaque, je crois pas que je l'ai moi aussi. Remarquez, je pourrais pas savoir. J'ai pas pu utiliser la moitié des sorts du jeu, même plus. Oh l'enfoiré! Non, je suis dégoûté quoi. Le 1 PV est réel chez lui.
J'avais encore eu mon buff, en plus je pense qu'il serait mort avec cette attaque. Non! 2-0 pour lui. J'espère que je retomberai pas sur lui parce que jamais 203. Si ça se trouve, il m'a repéré, il a vu un petit casu là dans les signes. Il m'a spotted, il en profite. Petit praise the sun qui passe pour tout le monde. Je me buff quand même parce que je vois bien que t'es chaud toi. C'est quoi que t'as? T'as du rouge autour de toi, mon brave. Ok, c'est quoi cette arme d'ailleurs? C'est une framée, ouais. Elle est dégueulasse! Enfin, je veux dire, la manière dont il la porte, quoi. Please! Bien brave, mais. Ah. L'idée. Oh! Ouh, j'ai exactement esquivé dans l'endroit où il fallait pas. Ah oui, c'est vrai qu'il va jouer avec la portée, lui. Ouais, bah ça va, hein. Et à moi, quand je suis pas dedans, je. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, il me lance du chaos. Shit, GG. Langue pâle. Bon, bah c'est bon, j'ai eu ma langue pâle. On va aller donner, mais on verra ce que ça fera. Au niveau du serment. Ah, mais s'il m'en faudrait pas plus que 10, il m'en faudrait 12, non? Parce que j'aimerais bien en garder 2 pour me respécialiser après, au cas où. Ah, lui, il a l'éclair, tiens. Outplayed. J'ai plus d'endurance. Putain, il me travaille au corps, hein. Je me fais backstab, ça me surprendrait pas. Arrête! Tu vois bien que ça marche pas! Oh, j'ai plus d'autre. Bien joué. Ok. Toi, t'es le plus pernicieux de tous. GG, mon brave. Ah, salut! Moi juste me rebuff quand même comme un faible. Ok. Ça va pas le faire si je m'amuse pas le pari lui. Terrible défaite pour essayer de me porter un coup fatal je crois. Ah, celui-là genre. Ok. Il est pas mort quoi, sérieux? Bon, GG. C'est vrai que j'ai des PV pour ce genre d'attaque. Parce que là, il m'a touché pas mal de fois. On a une autre langue pâle. Cette fois, je tiens ma promesse, je vais aller voir Rosaria. Une seule langue pâle, ça devrait aller si je fais pas n'importe quoi au niveau de la respec. J'ai quelques cadeaux pour toi, ma brave. Offrir langue pâle. Je vais en offrir 10. Alors ce qu'elle en dit. J'ai rien eu en plus. Ok, certes. Bon bah on repart bredouille de chez Rosaria. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo PVP. Merci d'avoir regardé. Et à plus pour la suite, sûrement fin du jeu cette fois. Salut. Non, faut que j'arrête de regarder, faut que je regarde ce qui se passe devant moi. Oh putain! La vache! Non! Oui! Oh, ça s'est joué un poil de cul, c'est là qu'on voit que les hitbox sont vraiment de haute qualité.